Pour la réalisation du sondage urinaire chez la femme, nous avons besoin d'une sonde urinaire, d'un collecteur à urine stérile, de gants stériles, du nécessaire pour la préparation et la pose de sonde, là est regroupé dans un kit, mais qui comprend un champ stérile non troué, un champ stérile troué, une seringue de 20 ml, une aiguille type pompeuse, 20 ml d'eau stérile, des compresses stériles. Nous avons besoin aussi de daquin, d'une protection pour le lit, du nécessaire pour l'hygiène des mains, gants non stériles et la solution hydroalcoolique. Et enfin, nous aurons besoin pour l'élimination des déchets, sac DAOM, d'Asri et boîte à aiguilles. Avant de poser une sonde urinaire, il faut toujours poser la sonde en circuit clos. On utilise toujours de l'eau stérile pour vérifier le ballonnet de la sonde, car avec du sérum physiologique, cela peut se cristalliser. Donc pour vérifier le ballonnet de la sonde, on introduit la seringue au niveau de l'embout de la sonde et on vérifie bien que le ballonnet se gonfle et qu'il n'y a pas de fuite. Alors, pour réaliser la dernière désinfection de la zone, on prend deux compresses imbibées de daquin, voilà, pour toucher la peau de la patiente. On fait une désinfection large du haut vers le bas. On place ensuite le champ stérile troué . On introduit la sonde dans le méa urinaire. Jusqu'à l'apparition d'urine. On gonfle le ballonnet. Une fois le ballonnet gonflé, on positionne la poche en déclive.